C'est moi avec Truman Capote. Ah, c'est Truman Capote. Qui est fait par Michael Thorpe. Donc là, celle-là, on la retrouve aussi sur un de vos livres, où j'ai déjà vu. Oui, c'est la bibliothèque qui brûle. Ce que j'aime bien, c'est votre regard, parce qu'on trouve dans ce regard la place de l'autre, et il y a à la fois une tristesse, une intensité, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre littérature. Non ? Vos amis, ils vous disent, Edmond est dans le service de l'autre, et vous êtes quelqu'un d'admirable pour vos amis. Mapplethorpe a pu saisir à la fois ce service de l'autre, la tristesse et l'intensité. Très bien. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup de niches. Et maintenant que vous êtes l'homme du désir, donc vous avez écrit ce livre « Les états du désir » où c'est un petit peu... Un voyage en Amérique. Un voyage en Amérique. Mais plus que cela, dans vos livres, il y a une réflexion et un sentiment sur le désir. Alors, on va commencer par une question. Vous dites dans La tendresse sur la peau, pour moi, le désir est toujours statique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne relis pas mes livres, donc je ne suis pas tout sûr, mais je pense que quand la plupart des gens normaux parle de l'amour, c'est une chose qui évolue, mais pas pour moi. Par exemple, je pense, j'ai vraiment senti l'amour comme Proust, dans le sens que c'est l'amour fou, c'est l'amour qui est très pénible et qui commence très fort et l'amour passion et qui ne va nulle part. Et qui n'est jamais l'amour d'estime. On invente après, bien sûr, l'estime, toutes les choses merveilleuses de l'amant. Mais pour moi, l'amour, c'est vraiment une crise qui n'évolue pas. Il n'y a pas des étapes dans l'amour pour moi. Il y a la crise de tomber amoureux, et ça continue, et un beau jour c'est fini. Mais c'est comme une maladie. Bien sûr, les maladies évoluent, mais quand même, c'est comme une chose qui te frappe et qui détruit ta vie. J'ai même pensé que la fonction de l'amour est de détruire ta vie. Quand tu deviens trop complaisant, quand tout est bien réglé dans ta vie, hop, tu tombes amoureux et ça détruit toutes les choses que tu as fait bien dans ta vie. Voilà. Vous avez à la fois le désir et l'amour. Quelle est la différence? Parce qu'il y a quelque chose où on vous qualifie de l'écrivain du désir homosexuel, et c'est beaucoup plus que cela. Je pense qu'on peut vivre un amour, mais on ne peut pas vivre le désir. C'est-à-dire un amour, par exemple, un amour comme j'ai pour Michael. On est ensemble depuis 12 ans, 13 ans, et ça évolue. Et ça, c'est une question d'estime. Et on partage une profession d'écriture, on a une vie mondaine ensemble, on a beaucoup de choses ensemble. Mais ça c'est différent qu'un amour comme par exemple dans mon maître, dans mes vies, où je parle de cette horrible crise, où j'ai pleuré tous les jours, et puis un beau jour c'était fini. Et ça c'est très proustien. Ça, c'est l'amour à la Proust. Il n'y a jamais des amours heureux.
chez Proust. Proust homosexuel, ce n'est pas important. C'est-à-dire que ce qui est important pour Proust, c'est cet état du désir. Oui, bien sûr, il voulait cacher son homosexualité. Et il n'a pas commencé à écrire avant la mort de sa mère. Et il a commencé très rapidement après la mort de sa mère. Donc c'était comme il était libéré par son amour. Et la première chose qu'il a écrit dans le livre qui est devenu son grand chef-d'œuvre, était un dialogue platonique entre sa mère et lui. C'est-à-dire, ils discutaient le matin le critique Sainte-Beuve. Et ça a été publié finalement bien après sa mort, dans les années 50, comme Contre Sainte-Beuve. Il y a des amours heureux chez Proust, et c'est les amours pour la mère et pour la grand-mère. Et un autre, un penseur comme René Girard a développé toute une théorie, qui est la théorie du désir mimétique, c'est-à-dire je copie mon désir, n'est toujours médié, c'est-à-dire je copie le désir de l'autre. Au départ, je n'ai pas de désir, c'est l'autre qui me donne un objet à désirer. Et donc lui montre que le désir est structurellement homosexuel dans le cas de Proust ou dans le cas de deux hommes pour une femme, puisque c'est toujours un autre homme qui guide le désir pour une femme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette vision du désir? Je ne pense pas que René Girard a bien compris l'amour homosexuel. Mais je pense qu'il y a une espèce d'amour hétérosexuel qu'il a très bien expliqué, qui commence peut-être théoriquement avec Stendhal, où il parle de... qu'est-ce qu'on dit Il y a cette crise quand quelqu'un... Par exemple, il dit dans « De l'amour que si deux amants sont ensemble, mais personne n'a jamais mentionné le mot « amour » dans leur présence, ils ne tombent pas amoureux. Et donc, il y a ce moment dans « La Chartreuse de Parme » Oui, qui est purement mimétique pour René Girard. Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec lui. Et je pense qu'il a bien... compris ce mécanisme d'imitation. Et même quand j'étais tout jeune, je me suis demandé pourquoi tous ces hommes chez Balzac, dans les romans de Balzac, il y a tous ces banquiers, tous ces grands hommes qui tombent amoureux de la même femme. Mais quand on marche dans la rue, il y a beaucoup de belles femmes. Pourquoi il y a une seule qui est comme la reine de Paris, et tous les hommes font la concurrence pour elle? C'est parce qu'ils veulent avoir ce que les autres hommes veulent avoir. Et donc, pour la concurrence, il faut avoir un seul but et butin. Et donc, il y a deux, trois femmes qui sont cherchées par tous les hommes à Paris, qui n'est pas raisonnable. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui tombent amoureux des hommes qui ont eu des histoires avec des femmes célèbres. Donc si on sait que lui il a couché avec cette actrice hollywoodienne, je veux avoir une histoire avec lui. Oui, ce que dit René Girard, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il dit que tout désir est désir d'être. C'est-à-dire qu'on choisit, on a envie d'être quelqu'un avant de choisir l'objet qu'il aime. Je pense que ce qui quand on parle de l'homosexualité, il y a souvent, chez les homosexuels, on confond le désir de l'être et le désir de l'avoir. Donc, par exemple, je vois un bel homme et je veux l'être. Moi, je veux être cet homme qui est si beau. Mais en même temps, je veux l'avoir. De le posséder. Et donc, je pense que les deux modes d'aimer sont très confondus chez les homosexuels. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, si on parle d'une pièce de La Biche ou une comédie où tous les amants cherchent tous les autres amants, ça fonctionne beaucoup mieux chez les homosexuels parce qu'un hétéro peut avoir une histoire avec cette femme ou cette autre femme, mais pas avec l'homme qui est l'amant de cette dame. Mais dans le monde homosexuel,
on peut avoir une histoire avec tout le monde. Tous les autres hommes sont disponibles. Et c'est toujours du désimimétique. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a, ça sort de cette idée de culpabilité. Et par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure sur le fait de, c'était une maladie, l'homosexualité une maladie, puis on va avec le retour des religions intégristes, on retombe même sur cette idée de maladie, d'exclusion. Moi, je c'est pas parce que je vis dans un pays tellement croyant et religieux comme les États-Unis, tellement chrétien malheureusement, que je vois que les gens souffrent terriblement de l'angoisse, de culpabilité ici. Et ça n'a pas tellement changé. C'est, oui, dans quelques cercles, quelques milieux, c'est beaucoup mieux. Par exemple, à Princeton, où j'enseigne, il y a des étudiants qui arrivent dans la classe avec un t-shirt qui dit « Je suis homosexuel ». Ah oui. Et c'est assez frappant. Et ces t-shirts sont donnés gratuitement par une société sur le campus homosexuel. Donc c'est une façon très claire de déclarer ses intentions. Mais ça n'aurait jamais existé quand j'étais plus jeune. Donc les choses changent. Mais Princeton n'est pas n'importe où non plus. Et si on est à Brigham Young University, qui est une université mormon dans le Utah, on peut être renvoyé tout de suite on avoue qu'on est homosexuel. Parce qu'on n'a pas vraiment de théorie du désir homosexuel. Aucune n'est vraiment convaincante. En même temps, c'est très difficile d'expliquer l'hétérosexualité. Parce que moi, j'ai toujours pensé, si on était rationnel, tous les hommes seraient hétérosexuels et toutes les femmes lesbiennes. Parce que les femmes sont tellement privilégiées dans la publicité. Elles sont toujours présentées comme les objets de désir dans notre culture. Donc pourquoi pas les autres femmes ne sont pas lesbiennes de chercher cette dame si merveilleuse. Et donc, je pense que c'est difficile d'expliquer comment fonctionne vraiment l'hétérosexualité. Donc, à mon avis, tous les essais d'expliquer les origines d'homosexualité sont préjugés contre les homosexuels. C'est-à-dire, on ne cherche pas trop loin pour expliquer l'hétérosexualité. Et je pense que si on cherche les explications d'homosexualité, il y a toujours quelque part le désir de le guérir. Oui. Parce que autrement, pourquoi on cherche avec une si grande férocité? Mais ce qui est intéressant avec René Girard, c'est qu'on on ne doit pas guérir de la sexualité ou de l'homosexualité. On doit guérir du désir mimétique et de la violence entre deux hommes. Pour un autre homme, il y a la même théorie mimétique, si on est logique. Parce que René Girard essaie d'expliquer que deux hommes qui se battent pour une femme, après ils sont tellement fascinés l'un par l'autre qu'ils en oublient l'objet et ils vont coucher ensemble. Et naturellement, il y a tout un autre pan du désir qui est la symétrie absolue. Mais René Girard est tellement hétérosexuel lui-même qu'il ne peut pas imaginer que les deux homosexuels peuvent échapper le désir d'une femme. Donc il pense qu'ils ont quelque part oublié la femme qui est l'origine de leur combat. Et est-ce qu'il a écrit, lui, sur D.H. Lawrence? Parce que chez Lawrence, il y a énormément de ces conflits entre deux hommes pour une femme, et les hommes souvent finissent par faire l'amour l'un avec l'autre. Comme Women in Love, le grand chef-d'œuvre de Lawrence, les deux hommes ont une lutte devant un feu et un incendie, et là, ils font l'amour finalement l'un avec l'autre. Et justement, pour sortir, vous disiez exactement cette façon de juger et de vouloir parler de l'homosexualité, de l'exclusion. Quand on parle du masochisme, alors on touche encore un tabou encore plus extrême. Et le masochisme, est-ce qu'on pourrait penser que le masochisme pourrait presque se lier à quelque chose qui est lié à l'amour courtois, c'est-à-dire le service de l'amour courtois, les troubadours du XIIe siècle dans le sud de la France?
Bernard de Ventadour, etc. C'est le service de la dame. La dame, c'est la domina, et c'est la maîtresse. Et la maîtresse qui permet de s'élever. Et dans tout votre travail d'écriture, il y a quelque chose du service de l'autre, où on le voit d'un jeune Américain jusqu'à... On voit que vous laissez la place à l'autre dans votre travail et dans votre vie. Vous êtes extrêmement attentif aux autres. Est-ce qu'on ne pourrait pas donner une vision extrêmement positive, extrêmement nouvelle, du masochisme comme une offrande de soi? Le masochisme pur et dur, c'est-à-dire de faire l'amour comme ça, ne m'intéresse plus. C'est comme j'ai épuisé l'idée ou l'expérience. Ça, je ne veux plus faire. Mais pendant des années, ça m'a beaucoup excité. Mais bien sûr, les thèmes restent, la thématique reste dans toute ma psychologie. J'ai une histoire maintenant, par exemple, avec un garçon qui est très tendre, mais qui est très dominant en même temps. Mais c'est très ambigu, c'est très compliqué. Et ça m'intéresse beaucoup plus que ces couleurs rouge, vert. Je préfère le camailleux. Et comme toute explication sur le masochisme, même par Deleuze, donc Deleuze essaie de vraiment dans Vénus et la fourrure, dans sa présentation de Vénus et la fourrure, de montrer un petit peu que le masochisme n'est pas un sadisme. Oui, ça c'est bien déjà. C'est déjà bien de ne pas penser que le masochisme c'est un état réciproque avec le sadisme. Parce que tout le monde a pensé ça jusqu'à maintenant. Ouais. Et ça j'ai beaucoup apprécié chez Deleuze. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ses raisons pour penser ça. Mais au moins, s'il a séparé les deux choses, il disait... Parce que moi, je pense que ça, c'est vrai. Parce que beaucoup de gens pensent que les sadiques sont vraiment masochistes dans leur fort intérieur. Ouais. Mais je ne suis pas d'accord. Ça, vous êtes, en fin de compte, sur une réflexion sur le désir et l'humain, tout simplement, dans toute sa diversité. Et puis, avec le temps, ça change même dans un... Oui, je pense qu'on change. On change, même très, très âgé, on change. Et... j'ai appris ça de ma mère, par exemple, parce qu'elle est devenue vraiment une personne complètement différente à la fin de sa vie que quand elle était dans ses 40, 50. Et je pense que les gens peuvent changer. Et Freud et d'autres parlent souvent comme les gens n'évoluent pas ou comme la jeunesse, la toute jeunesse est l'époque la plus importante et formée. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut changer. On peut avoir des grandes expériences quand on a 25 ans ou 35 ou même 65. Oui. J'avais été très marqué dans un de vos livres, vous disiez « Vivement que je devienne vieux, que je n'ai plus ce désir d'amour. » Et vous êtes toujours un grand amoureux. Oui, voilà, oui, c'est vrai. C'est une bonne façon de rencontrer quelqu'un, c'est d'explorer une autre personne, de le valoriser et de connaître par cœur toutes leurs habitudes. Et donc c'est un peu un romancier, non? Le romancier qui est amoureux, c'est presque un dédoublement de profession. C'est une déformation professionnelle. Votre livre « Les états du désir », c'est un petit peu votre vie aussi, mais on est parti de quelque chose de géographique, une exploration géographique et une exploration de l'âme et vraiment travail d'écrivain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de théorie. On voit que toutes les théories sont tellement réductrices et sont tellement manipulatrices et dangereuses. Je pense. Parce que aussi ça évite le mystère de la vie. Et le mystère est la chose qui renouvelle constamment ton désir. Aussi, je pense, une fois, Nabokov a dit qu'il détestait Freud tellement parce que c'était comme un concurrent. Parce qu'un romancier veut avoir sa propre système de psychologie, ses propres explications. Et il ne veut pas se soumettre à un système complètement réductif et très clair et déjà bien dessiné.
souvenir, France. Oh, thank you. Beautiful room is empty, ou la tendresse sur la peau, on voit les personnes qui ont marqué le début de votre vie artistique. Donc, je voudrais, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Lou, Mary, et puis votre, jusqu'à Stonewall, peut-être. Oui, mais... oui. Parce que j'avais deux grands amis, et Marilyn, qui, que j'appelle Mary. Mary. Qui est toujours vivante et qui est toujours une de mes meilleures amies et qui vit pas loin d'ici. Et elle était toujours pour moi l'esprit très rationnel. Même si elle était peintre, artiste, entièrement dévouée à son art, mais quand même elle était une étudiante d'Aristote, très philosophe, très rationnel. Et l'autre personne était vraiment le contraire, Lou. Qui est mort malheureusement le pauvre mais qui était vraiment l'esprit de Bacchus. Il était toujours sous, il se droguait, il était vraiment déréglé complètement. Mais une inspiration totale, très esthète. Et il était ancien joueur de jazz, il avait un enfant noir, avec une femme noire. Il avait une vie complètement déréglée, vraiment, et qui était vraiment le contraire de Marilyn. Donc ces deux esprits m'ont beaucoup influencé. Et revenons à Lou. Sur Lou, vous dites que c'est la première fois que vous rencontriez quelqu'un avec une vision esthétique du monde. C'est vrai, c'est-à-dire il était entièrement inspiré par la beauté, il pensait qu'à ça, et il a essayé de se suicider plusieurs fois, et quand il était dans un asile, il a rencontré un grand pianiste qui aussi a essayé de se suicider, et eux ils sont devenus amants quand Lou avait 17 ans, 18 ans. Donc je pense qu'il était vraiment sous l'égide de ce grand pianiste et moi j'ai profité comme le jeune amant quand Lou avait 30 ans. Oui, vous étiez béni. Vous aviez 17 ans 16 oui. ans 17 ans Oui, oui, ouais. oui. Et, oui. Et cette vision esthétique du monde, est-ce que c'est une vision à la Baudelaire, quelque chose du poète maudit? Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il connaissait vraiment la poésie de Baudelaire, lui, mais c'était vraiment dans l'esprit, la beauté dans la boue. Un petit peu comme Jean Genet. Oui, et il a lu Jean Genet dès qu'il était disponible en anglais. Et il était très inspiré par lui. L'homosexualité faisait partie de cette vision du monde en tant que poète maudit, c'est-à-dire que ce qu'on a maintenant de vouloir être un petit couple, etc., de vouloir en France être paxé, vouloir se marier, etc., c'était l'opposé à cette époque. Vous voulez nous en dire deux mots? Tout à fait. Et moi, par exemple, j'étais très influencé par Rambo, parce que et je viens d'écrire une petite biographie de Rambo. Oui. Et en tout cas, Rambo, j'ai lu quand j'avais 14 ans, dans les chiottes de mon internat, parce que très tard la nuit, on ne pouvait pas voir la lumière dans la pièce, donc j'allais dans les chiottes pour lire Rambo, et c'était vraiment sa légende personnelle et la poésie, les deux m'ont influencé. Cette vision de monde, de recréer un monde, et où l'homosexualité serait presque une il fallait accepter que le monde vous exclue, en fin de compte, rester en marge du monde. On avait un choix, ou c'était un crime, ou c'était un péché, ou c'était une maladie mentale. Et donc,
La plupart des bourgeois ont choisi Mal-des-Montals, mais les poètes maudits ont choisi Péché ou Crime, comme Jean Genet a choisi. Et c'est une position beaucoup plus forte. Et est-ce que vous retrouvez ce que disait Jean Genet, pour sortir de l'horreur, livre-t-il jusqu'au bout? C'est curieux comme formule, mais pour sortir de l'horreur, il faut aller au fond de l'horreur, c'est-à-dire assumer ce côté poète maudit. Oui. Et c'est ce que Lou vous a appris? Oui. Moi, j'étais très déchiré entre Marilyn, la bourgeoise, et Lou, le révolté. Et, parce que j'étais bourgeois moi-même et assez timide, donc j'allais pas jusqu'au bout. Là, vous étiez à cette époque-là, vous travailliez l'été, vous étiez dans l'appartement de votre mère, c'est ça? Oui, voilà. J'avais 18-19 ans, c'était les vacances, les grandes vacances de l'université. Et là, j'ai rencontré Lou et je suis tombé tout de suite amoureux de lui. Il était fascinant, il était moitié indien-américain. Il était toxicomane. Il avait un mépris complet pour ma côté bourgeoise. Il détestait ça. Oui, vous rapportez cette histoire où vous critiquez un petit peu ceux qui sont dans la publicité et tout de suite vous vous reprenez. Oui, Voilà. parce que lui, il faisait la publicité pour gagner sa vie. Donc, il est un grand défenseur de ça. Non, il était très ambigu et toujours jusqu'au boutiste. Donc, par exemple, s'il regardait la télé, il y avait le pape à la télé, il disait, oh oui, le pape, il est formidable. Il faut qu'on devienne catholique. Il faut que... Non, il avait toujours ces grands enthousiasmes qui étaient complètement inexplicables et qui n'étaient pas systématiques. Il n'était pas un penseur systématique. Et vous dites que vous vous forciez à le contredire de temps en temps pour pas être trop soumis Voilà, à sa présence. oui, pour avoir une petite personnalité à moi contre ce déluge des mots, des attitudes. Il était dans un hôpital et il pensait, je veux plus travailler, je veux être riche, donc je vais avaler un thermomètre que l'infirmière a laissé dans ma bouche, elle est partie et lui, il était inconscient en principe. Donc il a décidé d'avaler le thermomètre et comme ça ils étaient obligés d'ouvrir tout son estomac. Il pensait où je meurs, qui est bien, où je suis sauvé et je peux porter plainte contre l'hôpital et sortir milliardaire. Et donc le deuxième est arrivé. Il était très extrême. Votre mère vous a suivi, vous a fait suivre plusieurs fois par un psychiatre pour Oui. guérir. Oh, pendant 25 ans, j'ai vu Pendant des... 25 ans, Ouais. vous en J'ai gardez vu quel souvenir? mon premier psy était complètement fou et il est devenu fou finalement et mis dans un asile. Comme celui de Salvador Dali qui est mort en écoutant Salvador Dali, vous savez. Oui, mais il était sympathique assez, mais personne n'aurait pu dire, oh, c'est bien d'être homosexuel. Non, ça n'existait pas. Et moi-même, j'étais très contre l'idée de continuer comme homosexuel. Je voulais être guéri, mais lentement. Donc c'était la mauvaise foi complète. La mauvaise foi, Jean-Paul Sartre, c'est Oui. Oui. mais c'est la Oui, c'est ça mauvaise que foi, je... c'est le garçon de café qui joue à être le garçon de café, donc il est séparé dans l'être et le néant, etc. Tout à fait. Vous n'aviez pas envie d'être guéri. Est-ce que des gens comme Lou, par exemple, vous ont aidé? Même lui n'avait pas une attitude positive. C'est-à-dire, il ne disait pas que je suis pédé comme vous êtes hétéro. Mais non, je suis un grand criminel. Je suis. Parce que lui-même, il venait d'un milieu tout à fait bourgeois. Son père était le chef d'une grande revue importante et tout. Et donc, il était richissime, jeune, grâce à ses parents. Mais il a tout détruit, là. Il voulait absolument être un révolté. Donc ça, c'était plutôt... Donc, ou on a soumis aux préjugés de l'époque, ou on a révolté complètement, mais on ne pouvait pas vivre tranquillement avec son homosexualité.
Vous êtes très très important pour beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous aviez comme retour? Est-ce que vous voyez des changements dans ces retours? Justement, depuis The Boyan Story, les lettres qu'on vous écrivait, puis jusqu'à maintenant. Tout le monde dit que oui, maintenant c'est beaucoup plus facile d'être homosexuel quand on est jeune. Mais ça dépend sur le milieu. C'est les Mormons qui ont financé entièrement la lutte contre le mariage gay en Californie. Oui. Et qui n'est pas passé là. Hein, qui a été. Qui était, oui. Donc les Mormons ont triomphé vraiment sur les PD. Et donc quand on dit oui, maintenant c'est facile. D'abord, l'Amérique n'est pas l'Europe. Parce que l'Amérique, c'est le pays le plus croyant du monde chrétien. Et un sur trois Américains a parlé personnellement avec Jésus-Christ. Et c'est un grand pays très, très croyant. Et c'est une religion de la haine qui vraiment est contre toutes les déviations. Donc vous pensez toujours que c'est une déviation, si vous employez le mot déviation? Oui, il pense ça. Ouais. Vous savez qu'on a la même chose en France, il y a à la fois une soi-disant amélioration, oui. Puis il y a un retour en arrière, à la fois du religieux, oui. Qui est interdit, et à la fois du communautarisme. Oui, mais ce n'est pas uniquement les musulmans qui sont comme ça en France, c'est, ouais. C'est les catholiques de la catholiques, France profonde. Ouais. Les catholiques intégristes, les juifs intégristes. Oui, tout à fait, moi, oui. J'ai assisté aux messes à une église intégriste dans le 5e, qui est juste à côté de chez moi. Où Jean-Marie Le Pen oui. vient tous les dimanches. Oui, voilà. Comment ça se fait que vous ayez assisté à une messe? Je voulais le voir en tant que sociologue. Et si l'on part on revient à votre parcours d'écriture, est-ce que vous sentez vous-même une différence dans votre manière d'écrire? Oui, oui. D'abord, j'étais très influencé par André Gide quand j'étais jeune. Il disait qu'avec chaque livre, on devait perdre les admirateurs qu'on a gagnés avec le précédent. Oui. Et donc, moi, j'ai pensé, ça c'est très bien. Parce que j'étais d'une génération qui était très influencée par l'idée de l'avant-gardisme. Donc, on voulait toujours se dépasser. On voulait toujours aller dans un autre sens, se renouveler. Moi, j'avais vraiment l'intention d'écrire dans une façon un peu différente avec chaque livre. Et donc, vous pensez qu'il y a une rupture, par exemple, ou quelque chose qui a un aller-retour entre, par exemple, l'homme marié et puis toutes les biographies que vous avez écrites? Celle de Jean Genet est extraordinaire. Et Jean Genet, ça vous a pris 10 ans de votre vie. Oui. Ouais. Avec les biographies, je ne voulais pas... montrer mon beau style. C'était, je voulais simplement enregistrer ce que j'ai appris. Donc je voulais avoir un style complètement blanc et transparent. Et avec les romans, c'est un peu plus fignolé, mais pas vraiment. Donc, par exemple, les deux premiers romans que j'écris, Oublier Elena et Nocturne pour le roi de Naples, sont un peu difficiles. J'étais toujours sous l'égide de l'avant-gardisme. Et je voulais écrire des romans difficiles. Et puis quand j'écris Un jeune Américain, A Boy's Own Story, là, j'étais conscient que j'avais un grand sujet qui était tout à fait neuf, qui était l'homosexualité, en effet. Et que je voulais écrire un livre de coming out, de quelqu'un qui sortait du placard. Et là, je ne voulais pas déranger le lecteur avec un style trop compliqué. Je voulais présenter les choses qui étaient, le sujet qui était lui-même nouveau, dans un style qui était plus familier. J'étais membre d'un groupe, un club d'écrivains PD, qui s'appelait The Violet Quill, donc le stylo pourpre. Violette. Oui. Et donc, ça, c'était une blague parce que. Qui était membre de... Oui, donc il y avait Andrew Halloran qui a écrit Le Danseur de Manhattan. Oui, c'est quand même un très beau livre. Et puis, on était 7. Et malheureusement, 4 sont morts maintenant.
mais nous trois les survivants avons reçu un prix, c'était l'Amda Book Foundation, c'était un truc PD, et dans l'édition. Mm. Tout est aux États-Unis, ça va frapper votre public français comme bizarre parce que c'est toujours comme ça aux États-Unis. Mm. Tout est dans les petites chapelles. Donc ouais. Les PD, même les bisexuels. Hier soir, j'ai lu le texte sur Rimbaud que j'écris à une société bisexuelle. Parce qu'eux, ils pensent que Rimbaud et Verlaine étaient bisexuels. Et peut-être, oui, pourquoi pas. Donc eux, ils n'aiment pas ni les PD, ni les hétéros. Ils veulent être dans leur propre... Ouais. Mais c'est un petit peu ce danger du communitarisme, quelque chose qui est très présent. À la fois, ça a été utile pour se défendre. Et est-ce que l'écriture, on ne peut pas dire que Proust est un écrivain homosexuel? Oui, mais par exemple, quand ma petite biographie de Proust, quand j'ai parlé de son homosexualité, j'étais très attaqué ici aux États-Unis par les hétérosexuels, les professeurs qui sont les gardiens de la flamme. Mm. Et donc, eux, ils n'aimaient pas que je disais qu'ils étaient pédés. Oui. Moi, je ne voulais pas exagérer, oui. Mais en même temps, il était quelqu'un qui n'a jamais fait l'amour avec une femme, et qui avait plusieurs amants hommes, et qui a fait la traduction des expériences homosexuelles en termes hétérosexuels. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est une arme à double tranchant dans ce communautarisme, et que l'écriture est au-delà de cette appartenance? C'est une conversation qui ne va jamais finir. Parce que les Français croient dans l'universalisme et les Américains croient dans la communauté. Et donc, toute notre politique ici, c'est organisé par les Noirs, les Puerto Ricains, les Italiens, les homos, les hétéros, les bi, les trucs. Et c'est que ça. Il n'y a pas un public général. Et même chose quand on va dans une librairie, par exemple, aux États-Unis. Les livres sont organisés par Women's Studies, Gay Studies, Black Studies. Il n'y a pas de livres en général. Oui, ça commence à être comme ça en France. Alors c'est intéressant dans votre cas, puisque vous êtes à la fois dans les classiques. Oui. Et dans les Gay Studies. Oui. Gay Studies. Oui, oui. Donc, je sais pas. Moi, je suis à la fois reconnaissant et un peu ligoté par ces étiquettes. C'est-à-dire reconnaissant parce que quand j'ai commencé, j'ai reçu beaucoup de critiques. J'ai fait une petite réputation grâce à ce classement comme écrivain homosexuel. Et je suis sorti en même temps qu'on a reconnu la littérature homosexuelle comme une chose qui existait. Donc, j'ai profité. Mais en même temps, après, je me suis senti un peu ghettoisé. Mais il y a des pour, des contre, il y a mais vraiment des différences nationales qui sont énormes. Et dans votre... Qu'est-ce que vous avez ressenti comme changement depuis l'homme marié, donc votre vie avec Hubert Sourin, puis le retour avec Michael à New York? Vous avez décidé de revivre à New York à nouveau. Et qu'est-ce que vous emportez de Paris à New York? Quel est votre... culturellement, est-ce que... Je pense que c'est bien de vivre dans deux cultures, au moins deux. Parce que je pense comme ça, on a une perspective beaucoup plus claire sur sa propre culture. Par exemple, La tendresse sur la peau, c'est un livre que j'écris entièrement en France. Mais c'est mon roman peut-être le plus américain. Oui. Et donc, une fois quand j'étais dans les années 80, un jeune présentateur anglais qui avait les cheveux verts et tout, un grand crête comme ça, il m'a demandé, il disait, mais Edmund White, vous êtes connu comme écrivain, comme PD et comme américain. Quand est-ce que vous avez découvert que vous étiez américain? Ouais. Et je dis, quand je suis allé en France. Et c'est vrai. C'est une bonne question. Oui, très bien.
Non, c'est vrai que on devient très conscient de sa propre culture quand on vit à l'étranger. Et donc sur l'écriture, on voit très bien cette progression, l'homme marié. Et donc dans les derniers livres, il y a donc les biographies. Et puis il y a My Lives, mes vies. Est-ce que là, il y a une intention d'écriture différente? Parce que... Oui, c'est plus conversationnel peut-être, c'est moins travaillé, un peu plus, ça coule, je crois. Parce que c'est organisé par les thèmes, donc c'est mes psy, ou mes blancs, ou mes femmes. Et donc chaque chapitre, c'est un thème comme ça. Et quand on arrive à la fin du chapitre, on est obligé de donner un petit essai. C'est-à-dire, on peut écrire tout un roman sur les femmes dans la vie d'un homosexuel, par exemple, sans rien dire qu'est-ce qu'on pense soi-même sur les femmes. Mais quand on écrit une autobiographie qui est organisée par des thèmes comme ça, on est obligé de donner un petit conférence à la fin. Qu'est-ce qu'un aveu. Et donc ça, c'était intéressant pour moi parce que je me suis déguisé même de moi-même souvent dans la fiction. Parce que la fiction est dramatique, on peut jouer plusieurs rôles, mais une autobiographie, c'est vraiment l'aveu. Oui, et puis là, c'est mes vies au pluriel. Oui. Et quels ont été les comment ça a été reçu parmi mon maître, Mon etc. maître a choqué les gens, surtout Ouais, aux c'est la première États-Unis. fois que vous décriviez, en fait, parce que jusqu'à présent, il y a un processus où vous servez l'autre, et Oui. là, vous décrivez. Oui, le sadomasochisme, clairement. Et c'était mélangé avec l'amour, Oui. parce que c'était un grand amour que j'avais pour un maître qui était lui-même complètement un amateur. Il n'a jamais fait ça avant, et moi non plus. Donc, on était comme deux enfants dans cette. Dans cette et ça, je préférais, parce que j'aime pas tellement les sadiques professionnels qui sont tout en queer et parfaits avec tous leurs pinces-seins, des trucs. Ça, je déteste, les apparats C'est une découverte à deux. à Est-ce que deux. c'est quelque chose sur la liberté, sur l'honnêteté, ce livre? Oui, pour moi, j'adore dire la vérité. Et je l'écris beaucoup plus facilement que je le dis dans la vie. Donc, par exemple, j'étais très embarrassé après que j'ai écrit ce livre, quand j'étais interviewé, surtout devant le grand public, et quand les gens m'ont posé des questions sur les bites et les caca et tout ça, j'ai dit, oh, quelle horreur! J'ai rougi, je voulais pas parler de tout ça. Mais je l'écris facilement. Donc l'écriture, c'est pour moi plus honnête que les interactions mondaines. Et c'est très difficile de toute façon d'en parler en public, c'est-à-dire votre travail d'écriture, et voilà. Oui. Et c'est une source de malentendu absolu. Chaos, c'est un livre que vous avez dédié à Michael. Et pourquoi lui avoir dédié ce livre? Parce que je peux dédier tous mes livres à lui, parce que il m'aide énormément. Par exemple, je viens de terminer un autre mémoire sur New York dans les années 70 qui s'appelle City Boy, le garçon de la ville. Et là, Michael m'a dit, oh non, il faut pas exagérer, ne mentionne pas tellement mon nom et tout ça dans les remerciements. Mais je peux j'étais tenté de dire, parce qu'il a pris le manuscrit. Il a travaillé dessus pendant un mois. Il a énormément amélioré. Depuis combien de temps vous connaissez? Parce qu'il y a une 13-14 ans. relation extraordinaire qui est une relation qui est à la fois une relation d'écriture, d'amour et de confiance. Oui, tout à fait. On est oui, 14 ans, je pense. Mais Michael est un écrivain formidable lui-même et il m'aide énormément et j'espère que je l'aide aussi un peu. Et vous avez aidé justement beaucoup de vos amis, beaucoup à écrire, vous avez Et je soutenu. suis professeur des Voilà. ateliers d'écriture.
Il y aura un mot sur Princeton, oui. Le creative writing. Oui, non, ça c'est... Ça vous va assez bien quand même de faire sortir et d'aider, de soutenir les autres dans leur travail d'écriture. J'adore, parce que mes étudiants sont tous des undergraduates, donc ils ont moins que 22 ans. Et c'est vraiment un privilège d'être au courant de leur vie, parce qu'ils racontent leur vie personnelle. Dans leur nouvelle ou même leur autobiographie, parce que j'ai enseigné l'autobiographie aussi. Très bien. Et donc, un mot sur City Boy. City Boy, c'est donc pour un lecteur français, il va faire une référence à Boys on Story, et City Boy, c'est autre chose. Oui, je crois, oui, parce que City Boy, c'est quelqu'un. Qui vit dans la ville, toujours dans la ville, qui n'existe pas sauf comme un être urbain. C'est vraiment New York dans une crise économique complète dans les années 70. C'est une ville qui était très dangereuse et très créative et qui était presque qui a presque fait faillite. Et donc il y avait tous ces problèmes de sécurité, on était toujours en danger. Par exemple, les PD qui marchaient, même dans ce coin ici où je vis maintenant, on avait tous des sifflets autour de notre cou, parce qu'on était tellement agressés par les adolescents qu'on commençait à siffler comme ça, et les autres PD sont venus pour nous sauver. Donc on avait comme une bande de Teb contre l'ennemi. Et ça, c'est impensable maintenant, parce que New York est une des plus sûres grandes villes du monde maintenant. Mais ce n'était pas comme ça dans les années 70. Mais en même temps, c'était très bon marché. Et ça ne coûtait rien pour louer un appartement ici, parce que c'était presque une ville abandonnée. Donc il y avait beaucoup de jeunes artistes qui vivaient ici. Et c'était vraiment un bouillonnement de culture. Et je faisais beaucoup de travail pour... Par exemple, j'étais un nègre pour les livres, pour les autres gens, surtout les académiques, les scolaires. Cette ils n'arrivaient pas à écrire leurs livres, donc ils m'ont donné leurs notes et je les écris. Et eux, ils ont signé. Et j'ai fait pas mal comme ça. J'ai fait des histoires, les livres d'histoire américaine, 1000 pages, deux fois, 1000 pages sur la psychologie, tout ça. Et là, vous travaillez toujours autant. Vos amis disent que vous travaillez 2 heures par jour. Deux heures par jour et que le reste du temps, mais que vous êtes extrêmement efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? J'écris même pas 2 heures par jour. Mais vous écrivez tous les jours? Même pas. Non, je suis très désordonné. Je n'ai pas de système. Mais, c'est pas... entre 2 repas et 3 coups de téléphone, j'arrive à écrire un petit peu. Mais si on écrit 1 page par jour, on écrit un très long livre par an. Oui. Et donc City Boy, c'est le dernier livre. Et là, donc, par exemple, je parle des grands artistes que j'ai rencontrés, qui étaient des influences sur moi, comme Jasper Johns, le peintre, comme Susan Sontag, le penseur, et beaucoup d'autres gens intéressants comme ça. Et même Michel Foucault un tout petit peu. Et puis, j'écris aussi sur l'évolution de la vie homosexuelle, parce que ça, c'était vraiment juste les années après le début de Gay Liberation. C'est un peu comme My Life, sauf My Life, c'est organisé par des thèmes. Et ce n'est pas du tout chronologique. Là, c'est une gamme beaucoup plus étroite des années, donc c'est les années 70. Et c'était vraiment les années de formation pour moi, en tant qu'homosexuel, mais en tant qu'écrivain. Et ça finit avec la publication d'un jeune Américain à Boys on Story. Richard Howard, il est un grand traducteur. Il a traduit 150 livres français. Parmi eux, Rob Grier, Claude Simon, mais aussi Charles de Gaulle, les mémoires de Charles de Gaulle. Il a connu le général de Gaulle. Et non, il a 80 ans maintenant. Et,
Et il est vraiment un grand homme de lettres qui a reçu tous les honneurs français, bien sûr. Dans un nouveau livre, vous écrivez que quand vous allez le voir, vous allez le voir habillé d'une manière un petit peu sexy et vous dites, tiens, tu te vends très facilement, ou il y a une phrase comme ça. Non, parce que lui, je ne l'ai jamais rencontré. Et j'avais un amant qui l'a rencontré. Et moi, je n'ai jamais connu un écrivain publié et professionnel. J'étais tellement hors de tout. Et j'avais presque 29 ans. Donc, j'étais vraiment un idiot. J'avais aucune idée de m'avancer dans le monde. Donc, mais cet ami à moi, il a rencontré Richard Hart. Donc, il a demandé de Richard s'il pouvait lire mon livre. Il disait, oui, d'accord. Donc, il m'a téléphoné. Il disait, tu devrais être sur le coin de 13e rue et 8e avenue à midi pile, parce que je vais chez mon psychiatre et je serai sur la route. Donc, je me suis habillé en short, mouillant et tout ça. Et j'étais pas mal à l'époque. Donc, j'avais mon manuscrit sous mon bras et je l'ai présenté. Et il a pris et puis il m'a téléphoné 3 jours après. Il disait, c'est très bon, tu devrais réécrire ça et ça et ça, mais autrement, c'est très bien. Et il a pris le livre, il est allé à une grande maison d'édition qu'il a déjà refusé. Il a fait un scandale, il disait, mais non, c'est un chef-d'œuvre. Donc enfin, ils ont pris.